Dando continuidade ao nosso evento, convido a professora doutora Cláudia Maria Rocha de Oliveira, do Departamento de Filosofia da FAGE, para coordenar os trabalhos da conferência de abertura do simpósio, e o professor doutor Eugênio Rivas, do Departamento de Teologia da FAGE, para auxiliar com a tradução. Convido o professor doutor Paul Gilbert, da Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma, que proferirá a conferência Sartre, Heidegger e Nós, Fenomenologia, Ontologia e Tecnologia. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. O professor Paul Gilbert é professor emérito da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, instituição onde lecionou a disciplina de metafísica por quase 30 anos. Ele se interessa por questões relacionadas à metafísica, à fenomenologia, à relação entre ética e metafísica, aos problemas do mal, da injustiça, da violência. Realizou estudos e publicou vários artigos sobre Santo Anselmo e a teologia medieval, sobre metafísica, fenomenologia, filosofia, o mal, a violência, o cristianismo, a ciência. Publicou vários livros, entre eles As Razões da Sabedoria, Violência e Compaixão, Saber e Esperar. Dois de seus livros foram traduzidos para o português e publicados pelas edições Loyola, A Simplicidade do Princípio e A Paciência de Ser. O professor Gilbert é alguém muito importante na minha vida, alguém por quem eu tenho grande admiração e respeito. Com paciência e generosidade, o professor Gilbert me acolheu e me orientou ao longo do meu doutorado na Gregoriana. Com ele aprendi que filosofar exige empenho, não apenas empenho intelectual, mas também, sobretudo, empenho afetivo. Que filosofar é um exercício de liberdade que pressupõe grande responsabilidade. Professor Paul Gilbert, em nome da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, gostaria de agradecer ao senhor por ser presença entre nós e por compartilhar conosco as suas reflexões. Eu passo então a palavra ao senhor e desejo a todos uma excelente conferência sobre Sartre, Heidegger e nós, fenomenologia, ontologia e tecnologia. A palestra será proferida em francês, o texto em português será projetado no telão e depois será publicado nos anais do evento. Muito obrigado e boa palestra para todos. Obrigado, Cláudia, por tuas palavras. Cláudia me apresentou um grande filósofo, padre Limavas. Una persona que no solamente con sus cualidades intelectuales era una persona muy comprometida con su tiempo, nuestra contemporaneidad. Un modelo para nosotros filósofos, nosotros humanos, sencillamente. Es un honor para mí, para le hablar aquí, fue la segunda vez de mi vida. La primera vez era en el 2000. Una conferencia sobre Odom, publicada en la síntesis. Agradezco a los organizadores de congreso que comienza hoy sobre un tema que está en el centro das questões que abalam nosso
mundo en general y el Brasil en particular. A conferencia de les no convite me honra mucho. Peço perdón porque hablaré en francés. L'inquiétude pour l'humanité est récente en philosophie. Le terme humanisme a été introduit à la fin du XVIIIe siècle, quand la production de biens utiles à la société humaine s'est organisée en entreprise sans que la dignité de chacun des producteurs soit assurée, mais aussi en vue de nommer ce que seuls les puissants pouvaient se donner, la liberté. Au début du XXe siècle, quand un nouvel esprit guerrier envahit l'Europe sous la poussée des nationalismes et des entreprises lourdes, et surtout après les deux guerres européennes qui entraînèrent le monde entier dans le désastre que l'on sait, l'inquiétude pour l'homme s'est réveillée et le terme « humanisme » revint à la lumière, avec une signification plus sociale, mais encore élitiste occidentale. Vers la moitié du XXe siècle, les structuralistes ont décidé que l'homme était mort. Claude Lévi-Strauss, par exemple, et d'autres, qui tirent leur inspiration de Nietzsche en attendant aussi un renouveau aussi radical qu'indéterminé de l'être humain. Ce n'est pas par hasard qu'apparurent alors les expressions post-humanisme ou transhumain. Pour engager notre réflexion dans le thème aujourd'hui discuté de l'humanisme, disons deux mots de notre méthode, puisque la philosophie est d'abord une méthode. Le début du XXe siècle a vu la naissance d'une nouvelle méthode, la phénoménologie, créée en 1900 par Edmund Husserl, qui se préoccupait d'un manque de fondation de la connaissance scientifique et qui entreprit de refaire le travail de Kant en épistémologie. Husserl revendiquait en effet l'essentialité d'un enracinement du savoir qui ne soit pas seulement de l'ordre de la représentation objective. Le travail de Husserl eut une influence énorme dans la culture allemande. Il engendra une foule de disciples. Parmi ceux-ci, Martin Heidegger, qui cependant prit distance de son maître et ami. Heidegger s'est maintenu en effet dans les questions radicales de l'ontologie, tout en poursuivant les horizons de la phénoménologie de son maître, mais sans se contenter des seules conditions épistémologiques du savoir. Une lettre envoyée par Heidegger à Husserl en 1927, à l'occasion d'un projet d'article sur la phénoménologie demandé à Husserl par l'Encyclopédia Britannica, ainsi que les observations que Husserl écrivit dans les marges de son exemplaire « D'être et temps », publié aussi en 1927, le mettent en évidence. Le tournant donné par Heidegger à la phénoménologie en direction de l'ontologie, en passant par le Dasein, ne paraissait pas à Husserl conforme à sa recherche épistémologique. Ce tournant heideggerien a cependant séduit Jean-Paul Sartre, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des interrogations sur la colonisation de nombreux pays, s'interrogeait sur l'homme. Sartre a été sensible au tournant heideggerien plutôt qu'à la phénoménologie husserlienne, mais Heidegger a dû prendre lui-même distance envers Sartre en 1948. Sartre et Heidegger sont donc deux auteurs importants pour aborder notre réflexion sur l'humanisme. De là, les deux premiers termes des titres et sous-titres de ma conférence. Le troisième terme est « nous, la technologie ». Fait écho à une situation culturelle contemporaine qui entend aller de l'avant sans se poser trop de questions philosophiques qui, d'ailleurs, apparaissent inutiles et sans objet. La technologie s'inquiète d'une pratique du savoir qui n'est ni phénoménologique ni traditionnelle, qui prétend même déplacer les horizons de la pensée en forçant à reconnaître que la question de l'humanisme est sur le point d'être close.
Le structuralisme le disait sous un mode idéologique, la culture contemporaine le dit en exaltant la technique qui se livre au scientisme et à ses assurances nourries d'évidences construites dans nos laboratoires. Mon exposé développera donc ces trois points, l'un après l'autre, Sartre, Heidegger et nous. Premier point, Sartre. La conférence de Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme, fait partie des textes brefs, 40 pages, des textes brefs les plus lus et commentés en philosophie au XXe siècle, du XXe siècle. Elle date de la fin de 1945, 9 ans après le premier ouvrage de l'auteur, L'imagination, qui introduisait en 1936 ses élèves du lycée du Havre à la phénoménologie, mais avec l'intention de publier plus tard une étude plus approfondie en discussion avec Husserl, ce qui fut fait en 1940 dans L'imaginaire. La même année que L'imagination, le premier ouvrage, Sartre publie La transcendance de l'ego. Ces textes mettaient en avant l'importance de la conscience engagée dans l'inventivité de l'imagination, un thème qui reviendra dans la conférence de 1945. En 1943, Sartre publiait son maître ouvrage en philosophie, son ontologie phénoménologique, L'être et le néant. Durant ces mêmes années, viennent quelques pièces de théâtre et des romans qui firent sensation, pour ne pas dire scandale, pour la crudité de leur langage et la mise en cause du lexique habituel sur la liberté. Ces œuvres littéraires, surtout, rendaient difficile l'idée de liberté, car elles ont dénoncé la représentation commune dans la mentalité de l'époque, selon laquelle le mot « liberté » signifie la subjectivité en proie à de nombreuses forces intérieures et extérieures qui en attaquent l'autonomie. La conférence de 1945 se présente donc comme une défense de Sartre contre ceux qui n'avaient pas bien lu ses livres ou qui n'en avaient pas compris les vraies intentions, rendre sa dignité à l'idée de liberté et à celle corrélative de responsabilité. La question fondamentale envisagée était donc, en bref, qu'est-ce que l'homme ? Sartre connaissait dès avant la publication de L'imagination en 1936 des textes fondamentaux de Husserl, surtout ses recherches logiques de 1900 et ses idées pour une phénoménologique de 1913. Plusieurs éléments tirés de ces textes sont d'importance décisive pour lui. Un premier élément est libérateur d'un empirisme trop naïf. Sartre en reçoit l'enseignement des pages de Husserl sur l'intuition catégoriale, qui est une intuition de quelque chose qui n'a rien d'empirique. De vérifiable avec les moyens des sciences positives qui s'accrochent aux objets sensibles. Prenons un exemple, sans prétendre qu'il soit de Sartre. Les catégories grammaticales sont comme celles de la philosophie aristotélicienne ou de Kant, ne renvoient à rien de réel au sens de sensible, mais à des manières de mettre de l'ordre dans nos façons de dire ce qui est. De là d'ailleurs leur relativité linguistique, mais aussi leur pertinence propre, leur réalisme par l'utilisation qui en est faite par la raison. Sans les catégories, nous ne pourrions jamais mettre de l'ordre dans nos manières de comprendre les choses qui sont dans le monde. Ce réalisme original est plus fondamental que le réalisme immédiat des sciences positives dites objectives, qui, de toute manière, ne peuvent pas ignorer qu'elles utilisent, elles aussi, des catégories purement rationnelles. La question posée par Husserl est de savoir comment faire pour déterminer rationnellement la spécificité de ces catégories. La phénoménologie husserlienne naît de cette question. Une première réponse serait de dire que la conscience vise quelque chose au moyen de ces catégories,
et donc qu'elle ne pratique pas ces catégories n'importe comment. Elle sait en effet que leur connaissance détermine des niveaux spécifiques de connaissance, celui des objets sensibles et aussi celui des médiations nécessaires pour acquérir ces connaissances du sensible. L'idée de l'intentionnalité phénoménologique naît de là. Elle implique un engagement de la conscience envers le monde et envers elle-même. Tout état de conscience en général est en lui-même conscience de quelque chose. Cette expression de Husserl vise plus que le sensible. L'idée sartrienne de l'imagination assume cette thèse husserlienne en étant même plus phénoménologique que le fondateur de la phénoménologie, au sens où Sartre est très descriptif des situations humaines existentielles. Husserl est très sec. Toutefois, Husserl n'est pas oublié par les analyses sartriennes des expériences humaines. Par exemple, le terme « néant » au cœur de l'œuvre de 1943 a une tonalité plutôt husserlienne, au sens où elle fait appel à une certaine intuition de sa différence envers l'être. On peut reconnaître cela dès l'étude sur l'imaginaire, où le terme « néant » appartient à la liberté de l'imagination, au dépassement de tout être, de tout monde, et une tension indéfinie, mais qui maintient le monde en arrière-fond. Mais le monde. La conférence de 1945 revendique l'authenticité du terme « humanisme » proposé par Sartre parce que vérifié dans nos expériences humaines. Le regard de Sartre sur l'homme ne se permet aucune illusion. Il est en ce sens très moderne. Alors que la philosophie se voulait et se veut encore souvent très ou trop optimiste, en disant par exemple que le mal n'est que privation du bien, Sartre met le doigt dans la plaie du double langage de nombreuses propositions communes sur l'homme. Il anticipe de cette manière la première page de « Totalité et infini » où Emmanuel Lévinas met en avant, en 1961, l'hypocrisie des morales qui, en cas de nécessité, la guerre par exemple, suspendent leurs codes ou normes, par exemple celle-ci fondamentale, « Tu ne tueras pas ». La conférence sur l'humanisme insiste sur l'importance de la cohérence entre la vie et les catégories. L'auteur légitime de cette manière ses écrits qui firent scandale, parce qu'il dénonçait précisément les doubles langages. Il s'attaque surtout aux conceptions qui réduisent la liberté à la nécessité d'une causalité inévitable, quasi physique, comme si la liberté devait s'arrêter là. Sartre ne devait pas aimer le structuralisme ni la version populaire de la psychanalyse. Je suis une citation de Sartre, mais je le passe. Une phrase de l'existentialisme est particulièrement célèbre. L'existence précède l'essence. Qu'est-ce qu'une essence ? L'essence d'une chose est ce qui la rend compréhensible, son intelligibilité. L'essence est donc ce qui permet de comprendre ce qui est. Or, pour comprendre ce qui est, il est nécessaire de le situer dans un ensemble systémique de concepts, de catégories, donc dans un système linguistique donné, ou même prédonné à qui l'utilise, et qui définit un certain ordre du monde. L'ordre de la langue, l'ordine de l'idioma portugais, l'ordine des estudios de física, de la biologia, etc. Cada ciencia tiene su sistema linguistico. Ce système peut être scientifique, philosophique, théologique, de toute manière intelligible pour qui le connaît et le pratique dans les recherches de sa compétence intellectuelle. Or, si aucun étant réel n'est intelligible hors d'un système, chacun entrecroise beaucoup de systèmes en lui-même. L'intelligibilité est ainsi ouverte, mais bien souvent, on ne la traite pas ainsi, et on construit des systèmes représentatifs du monde et de nos expériences humaines qui sont fermés, solidifiés dans leurs limites et impénétrables par d'autres systèmes. Comment peut-on échapper à la troisième des antinomies kantiennes ? Selon Sartre,
Si l'on ne tient compte que des nécessités scientifiques de l'explication des choses, on n'arrivera jamais à reconnaître la liberté son trait hors série, et elle sera toujours ramenée à quelques nécessités externes, mondaines, dont, finalement, elle n'aura jamais la charge ou la responsabilité. Et voilà la liberté fondée sur l'irresponsabilité de la nécessité. Notre point de départ, écrit Sartre, est la subjectivité de l'individu. Pour Sartre, la subjectivité n'est pas une essence close, mais une ouverture, un élan vers le futur, au sens où elle a un projet. L'idée de projet est proprement heideggerienne, nous y reviendrons. Un projet, en outre, ne peut être reconnu comme projet que s'il passe en action effective. Un projet dont on ne prévoit pas la réalisation n'est qu'une illusion. On ne voit le projet que si on prévoit sa réalisation, bien que sans assurance physique ou mathématique. Dit Sartre, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Le terme sartrien « projet » me semble équivaloir au terme « souci » utilisé par Heidegger dans « Être et temps ». Pour Heidegger, en effet, le souci se révèle dans l'engagement de la subjectivité dans le monde. Il peut certes se banaliser ou ne pas viser plus qu'un engagement superficiel, technique, dirions-nous aujourd'hui, un engagement qui n'engage pas, même s'il fait travailler sûr, s'il fait travailler dur. Mais le souci peut prendre une forme plus radicale et authentique dans ce que le philosophe allemand appelle angoisse, après Kierkegaard. L'angoisse habite l'être humain qui sait ne jamais réaliser vraiment dans une quelconque de ses activités et productions, dans aucun de ses projets. Heidegger écrivait dans le paragraphe 4 d'Être et temps que, pour cet étant, il y va en son être de cet être. Position indéfinie, indéfiniment indéfinie. Sartre conjoint à cette difficulté le thème du délaissement de la Gelassenheit de Heidegger. Le délaissement va avec l'angoisse, écrit Sartre, en dépliant ce qui est au cœur de la décision impossible, celle qui doit se prendre entre deux possibles entre lesquels il n'y a pas de motif objectif pour choisir l'un plutôt que l'autre. L'adage antique selon lequel il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ne donne aucune solution, mais renvoie seulement à la nécessité de se décider d'une manière gratuite et subjective si l'on veut, et donc dramatique. La vie est sans raison, sans essence. La liberté est l'acte même d'exister. L'homme est condamné à s'inventer pour être digne de soi, insoumis aux nécessités du monde, à la causalité qui tisse ses liens de fer. Il n'y a pas de nature humaine, mais seulement un homme délaissé, abandonné à ses décisions libres. Délaissé, mais pas absurde à la façon d'André Gide. À ce moment de son argumentation, Sartre semble en effet reprendre ce qui anime fondamentalement la philosophie critique ou transcendantale de Kant. La description de Sartre évoque littéralement Kant, même si celui-ci n'est pas nommé directement. Nous lisons par exemple que l'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qui choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soit l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Le mot « législateur » provient évidemment de Kant, l'humanité entière également. Ou encore, celui qui ment et qui s'excuse en déclarant « tout le monde fait comme ça » est quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa conscience, car le fait de mentir implique une valeur universelle attribuée au mensonge. Kant a traité explicitement du mensonge dans son essai du prétendu droit de mentir par humanité. D'autres expressions font penser à Maurice Blondel,
comme celle-ci. Le choix est possible dans un sens, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Je peux toujours choisir, mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore de ne pas choisir. Car dans la foulée de ses pensées, c'est dans la foulée de ses pensées que Sartre insère le mot « transcendance » dans sa conférence. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la subjectivité humaine. Cette liaison de la transcendance comme constitutive de l'homme, non pas au sens où l'homme ou Dieu est transcendant, mais au sens de dépassement, et de la subjectivité, au sens où l'homme n'est pas enfermé en lui-même, mais présent toujours dans un univers humain, c'est ce que nous appelons l'humanisme existentialiste. Voilà la première figure, Sartre. Second point, Heidegger. Heidegger est nommé plusieurs fois par Sartre dans sa conférence sur l'humanisme. Voici la première. Il y a deux espèces d'existentialistes. Les premiers qui sont chrétiens et parmi lesquels je rangerai Jaspers et Gabriel Marcel de confession catholique. Et d'autre part, les existentialistes athées, parmi lesquels il faut ranger Heidegger et aussi les existentialistes français et moi-même, dit Sartre. Dans sa lettre sur l'humanisme, Heidegger s'insurge contre cette annexion sartrienne, en particulier quant à son accord présumé avec la formule sartrienne « l'existence précède l'essence ». La première référence renvoie en outre à Heidegger, qu'elle situe dans un contexte d'opposition entre des philosophes chrétiens et d'autres qui sont athées, une opposition certainement inadéquate qui n'entre d'aucune manière dans les répartitions Heidegger des idéologies. Selon le schéma sartrien, l'idée du christianisme suppose que l'humanitas de l'homo humanus est déterminée à partir d'une interprétation déjà faite de la nature, de l'histoire du monde, du fondement du monde, c'est-à-dire de l'étant dans sa totalité. Telle n'est pas la condition de pensée croyante selon Heidegger. Ici, qui corrego mi texto. Dans une conférence de 1927 prononcée à Tübingen peu avant d'aller à Fribourg et intitulée « Théologie et philosophie », Heidegger affirme que la théologie scientifique, scolastique, scolaire, est comme un cercle carré parce qu'elle n'arrive pas à prendre de la hauteur et s'enferme dans le monde des étangs en oubliant l'être ou en se rendant incapable de le penser sans le réduire à la forme de tout étang. La même année, Heidegger publie « Être et temps » et enseigne ce qui deviendra en 1975 le livre intitulé « Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie ». À ces occasions, l'exposé de la différence ontologique a progressé. Il est possible que Sartre ait eu connaissance de la conférence de 1927 et de sa réduction de la théologie à l'antique, mais vraisemblablement pas du cours de 1927 qui était publié en 1975. Sartre ne pouvait pas connaître l'évolution rapide du professeur de Fribourg qui s'éloignait singulièrement des répartitions idéologiques où Sartre se maintenait sans en bouger. La seconde mention de Sartre dans la lettre sur l'humanisme reprend la conférence du philosophe français de la conférence de Sartre, son expression « l'existence précède l'essence » et la critique vivement. Nous sommes 20 ans après la publication « D'être et temps », 20 ans aussi après le cours sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, où l'auteur Heidegger parcourait l'histoire de l'ontologie. Il y traitait en particulier de la différence entre l'essence et l'existence, et de la mentalité qui soutenait cette différence. Selon Heidegger, Sartre reproduit cette mentalité. Sartre, en effet, formule ainsi le principe de l'existentialisme, l'existence précède l'essence. Il prend ici existentia et essentia au sens de la métaphysique qui dit depuis Platon que l'essentia précède l'existentia. Sartre renverse cette proposition, mais le renversement d'une proposition métaphysique reste une proposition métaphysique. C'est-à-dire, selon le sens que Heidegger attribue là au mot métaphysique,
un savoir représentatif et non réflexif. On notera cependant que le jugement de Heidegger n'est pas assez complet et que donc il risque de manquer sa visée. Sartre lie en effet le terme « existence » aux mots « liberté » et « engagement ». À ces termes, on ne peut pas conjoindre la représentation d'une fin déterminée. Cela ne signifie pas cependant que Sartre ait des points d'accord avec Heidegger, le Heidegger d'être et temps. Le philosophe allemand continue ses critiques de cette manière. Le principe premier de Sartre, selon lequel l'existentia précède l'essentia, justifie en fait l'appellation d'existentialisme que l'on donne à cette philosophie. Mais le principe premier de l'existentialisme n'a pas le moindre point commun avec la phrase de Seinunzeit. Nous avons noté précédemment le point sur lequel Husserl et Heidegger se sont séparés. L'épistémologie du premier ne satisfait pas l'étendue de l'enquête du second. La question ontologique concerne Dasein en son tout. Il y a, en 1927, une attention anthropologique chez Heidegger parce que cela était exigé par l'enquête ontologique, ce que Sartre ne semble pas avoir aperçu. Même si le titre de l'être et temps est un ontologie phénoménologique. On ne peut plus nier que la recherche d'être et temps suivait un programme classique. Aristote n'avait-il pas dit que la recherche intellectuelle bien construite commence par ce qui est le plus proche et le plus évident pour nous, pour remonter ensuite vers les causes premières, qui sont aussi les plus éloignées de nous? En 1946, Heidegger voit plus nettement qu'auparavant le sens de ses premières interrogations. Les titres des cours et conférences de 1927 à 1946 sont indicatifs. L'introduction à la métaphysique en 1935, l'essence de la vérité de 1935 aussi, la conférence sur l'époque des conceptions du monde de 1938, sans parler des très difficiles Beiträge écrits entre 1935 et 1937. L'enquête n'est cependant pas encore finie et d'ailleurs, elle ne pourra jamais l'être. Ce qui reste encore à dire aujourd'hui et pour la première fois pourrait peut-être donner l'impulsion qui acheminerait l'essence de l'homme à ce que, pensant, elle soit attentive à la dimension sur elle omnirégnante de la vérité de l'être. Un tel événement ne pourrait d'ailleurs à chaque fois se produire que pour la dignité de l'être et au profit de cet être le-là que l'homme assume dans l'existence, mais non à l'avantage de l'homme pour que brille par son activité, civilisation et culture. Entre l'anthropologie phénoménologique de Sartre et l'anthropologie ontologique de Heidegger, il n'y a pas de commune mesure. Par ailleurs, Husserl n'avait-il pas vu juste quand il apercevait une tendance chez Heidegger à trahir la phénoménologie? Son successeur à Fribourg n'était-il pas en train de déplacer le lieu de la réflexion au-delà des phénomènes et de leurs apparitions au langage où effectivement ils apparaissent sensés? Sartre est un phénoménologue fidèle à la réduction eidétique, comme on peut le constater en lisant cette description d'expérience humaine dans l'être et le néant, par exemple celle du garçon de café, célèbre. Mais en 1948, Heidegger n'est plus du tout un phénoménologue de ce genre. Il le note lui-même. Il importe que la pensée cherche, au sein de la langue longuement traditionnelle de la métaphysique et de sa grammaire, la parole qui exprime les relations de l'espace et du temps dans l'être. Reste à savoir si cette pensée peut encore se caractériser comme humanisme, à supposer que de telles étiquettes puissent avoir un contenu. La réponse à cette perplexité est nettement négative. Assurément pas, répond Heidegger, dans la mesure où l'humanisme pense d'un point de vue métaphysique, au sens de représentatif. Assurément pas si cet humanisme est un existentialisme qui fait sienne cette proposition de Sartre. Précisément, nous sommes sur un plan où il n'y a seulement des hommes. Si l'on pense à partir de Seinunzeit, il faudrait dire plutôt, précisément, nous sommes sur un plan où il y a principalement l'être. Mais d'où vient le plan et qu'est-ce que le plan? L'être et le plan se confondent. C'est avec cette intention et en connaissance de cause qu'il est dit dans Seinunzeit, il y a, es gibt das Sein. Il y a, c'est il y a le don.
Cet Ilia ne traduit pas exactement Esgypte, car le S, ce qui est Gypte, donné, est l'être lui-même. Le Gypte donne, désigne toutefois l'essence de l'être, essence qui donne, qui accorde sa vérité, le don de soi dans l'ouvert, au moyen de cet ouvert, est l'être même, et le recueil de ce don est le langage. La dernière attaque, je tornerò su questo tema così subito, la terza parte della mia conferenza. La dernière attaque à Sartre devrait enfin toucher l'adversaire au cœur. Sartre voulait, dans sa conférence, prendre distance du marxisme, ou plutôt de Marx, car il persévérait dans le Parti communiste au-delà des événements de Budapest en 1956, de l'écrasement de la révolte des Hongrois contre l'occupation soviétique par les troupes de Moscou. Enthousiasmé par un voyage en Russie au début des années 50, il n'avait pas aperçu qu'il avait été manipulé par ses hôtes, qui ne lui ont montré que ce qu'il voulait et qui n'étaient que des productions soviétiques prétendument populaires. En réalité, Sartre n'avait pas le sens de réalité de l'histoire. On ne pourra cependant pas dire que Heidegger ait brillé par son sens de l'histoire au temps des nazis, à moins d'affirmer que l'ontologie heideggerienne soit aussi nazie, ce que certains s'empressent d'affirmer avec plus de brio et d'éloquence primaire que de réflexion secondaire. Il faut cependant la peine de souligner combien il est difficile en philosophie de connecter le temps, l'histoire et l'ontologie. La difficulté d'assumer en philosophie les efforts des neurosciences en est un signe évident. J'en viendrai à la troisième partie et nous. Le sous-titre de ma conférence met en évidence qu'il s'agit de penser aujourd'hui, le logos, c'est-à-dire le langage et ses premières déterminations, ce en quoi il y a langage. Ne devrions-nous pas cependant dire plutôt ce sur quoi ou de quoi il y a langage ? La différence entre ces deux expressions, « en » et « de », nous est suggérée par une observation fondamentale de Heidegger dans le point B du septième paragraphe de « Être et temps ». Nous pourrions penser que le langage est défini essentiellement par ce sur quoi il parle, par son objet, le phénomène, les temps, la technique. Dans cette perspective purement sémiotique, il y aurait autant de langage qu'il y a d'objets dont on parle. Et aucun langage ne pourrait se substituer à un autre, puisque chaque objet est réellement insubstituable par un autre. Par exemple, la philosophie n'est pas la théologie, le logos sur le divin, ni la psychologie, le logos sur l'âme. La phénoménologie n'aurait par conséquent rien à dire à la technique. Mais d'autres expressions de la tradition philosophique nous orientent dans une autre direction. Par exemple, le mot « analogie », qui signifie un mouvement spécifique, une sorte de montée du langage, mais sans indiquer aucun objet qui serait donné a priori, bien qu'on suppose qu'il y ait un horizon solide à cette montée et que différents objets pourraient être situés en formant une sorte d'échelle où chacun aurait un échelon propre et relatif aux autres. Le langage n'est plus dans ce cas déterminé par quelque objet, mais par sa structure ou par une force, une énergie qui lui serait immanente et qui étudie la branche de la linguistique que l'on appelle la sémantique en la distinguant de la sémiotique, la science des signes. La détermination univoque du langage est donc difficile et sans doute impossible. Heidegger note que le mot « logos » est traduit, autant dire toujours interprété, par raison, jugement, concept, définition, fondement, rapport. Mais comment le discours peut-il ainsi se modifier que logos se mette à signifier tout ce qu'on vient d'énumérer, et cela à l'intérieur de l'usage linguistique scientifique ? Demande Heidegger. Habituellement, on interprète le mot logos en renvoyant à l'histoire de sa traduction. Le langage aurait comme horizon la mise en ordre du monde, la mise en évidence de ce qui tient ensemble tous ces éléments dans des tensions harmonieuses. La logique. La fonction de la raison est précisément de révéler ce en quoi des individus se rassemblent dans des espèces et des espèces dans des genres. Mais cette interprétation du langage, selon Heidegger, est trop superficielle.
Logos ne signifie point, et en tout cas, point primairement, le jugement en tant que l'on entend par là une liaison ou une prise de position. Heidegger a travaillé sur la question du langage dès avant être et temps, et en maturation successive. Dans son grand ouvrage de 1927, il engage ce qui deviendra ensuite, pendant au moins 10 ans, la colonne vertébrale de ses recherches. La thèse est ainsi décrite. Logos en camp de discours signifie rendre manifeste ce dont il est parlé, il est question dans le discours. Cette fonction du parler, Aristote l'a explicité de manière plus aiguë comme apophagnostai. Le logos fait voir, phagnostai, quelque chose, à savoir ce sur quoi porte la parole, et certes pour celui qui parle, une voix moyenne, ou pour ceux qui parlent entre eux. Le parler fait voir, à partir de cela même dont il est parlé. La parola non fa, non crea la cosa, è la cosa che fa sorgere la parola. Heidegger engage alors le grand thème de ses travaux sur l'essence de la vérité au cœur de laquelle se dessine la conception de la différence ontologique. La vérité n'est pas la conjonction de la puissance unificatrice de la raison et de l'étant dans sa synthèse originelle. Elle appartient plutôt à une mise en évidence, une manifestation, à un faire voir qui peut être sans aucune intuition d'objet réparable sensiblement. L'expérience qui soutient la proposition de Heidegger est en réalité assez banale. Nous savons bien que ce ne sont pas nos mots qui font les choses, malgré Foucault. Quand par exemple nous cherchons nos mots, ou que nous trouvons que nos expressions ne disent pas vraiment ce que nous voudrions dire. Nous nous efforçons ainsi de mieux dire ce que nous reconnaissons dit de façon peu correcte ou peu habile, ce qui signifie d'une part que nous savons que notre langage est destiné à accueillir ce qui est, mais surtout d'autre part que ce qui est la demeure du langage dans lequel il apparaît. En ce sens, la recherche de langage métaphorique qui marque l'originalité des analyses épistémologiques, étymologiques de Heidegger, parfois étranges d'un point de vue scientifique, actuel, propose un chemin qu'un métaphysicien ne peut pas ne pas suivre. Quel sera cependant le critère de ce langage? Il sera d'un autre ordre que l'accord formel que la tradition scolaire et les sciences nous imposent, un critère qui pourtant ne manquera pas d'universalité. La vérité n'est pas exposée dans un discours sur les choses, mais les choses font éclore leur vérité dans le langage qui se fait attentif à leur présence. Sartre publie en 1940 son ouvrage « L'imaginaire » avec l'intention dont nous avons déjà parlé, celle de produire une œuvre de phénoménologie après avoir introduit 4 ans plus tôt à la pensée générale de Husserl dans l'imagination. Or, entre 1938, entre l'imagination et l'imaginaire, il fait paraître une esquisse d'une théorie des émotions, comme si l'analyse des dynamismes de l'affectivité était essentielle pour une réflexion rigoureusement phénoménologique. Paul Ricoeur rencontra la même problématique lorsqu'en 1961, pour clore sa période phénoménologique et entrer en herméneutique, il lui fallut faire sienne la perspective heideggerienne et aller au-delà de Husserl en s'arrêtant à la fragilité de l'homme faillible. L'attention des philosophes au monde intérieur de la subjectivité n'a jamais été négligée, mais elle choque les épistémologies des sciences proposées par les adeptes d'un rationalisme pur et dur, méfiant envers les théories qui déploient les efforts des sciences en prenant un point de vue psychologique. Husserl appartenait d'une certaine façon à ces épistémologues, mais avec bien des nuances. La tradition d'un désir de la raison n'est cependant pas nouvelle, mais comment entendre ce désir? En dehors de toute considération pour l'affectivité, même si Thomas d'Aquin soumet habituellement le bien au vrai, sa somme théologique dans la première partie, question 82, article 4, impose à cette thèse une forte nuance. Il y a 2 points de vue qui permettent d'interpréter un mouvement, sa fin ou ce qu'il vise.
sa fin ou ce qu'il vise, ou son agent, ou ce qui lui donne du mouvement. Le regard vers la fin appartient à l'intelligence, le vrai. La tenue en compte de l'agent considère par contre la volonté, le bien. Selon ce second point de vue, la volonté, dit saint Thomas, la volonté meut l'intelligence et toutes les facultés de l'âme, comme dit saint Anselme. Or, l'objet de la volonté est le bien et la fin pris en général. Chacune des autres puissances a rapport à un bien propre qui lui convient. Par exemple, la vue tend à percevoir la couleur, l'intelligence à connaître la vérité. Et c'est pourquoi la volonté a la manière d'une cause efficiente, met en activité toutes les facultés de l'âme. La volonté est-elle indépendante du désir ? Le désir de connaître serait-il dépendant de la volonté de connaître, ou le contraire ? La volonté s'appelle cependant quand elle rejoint et réalise son objectif. Le désir, par contre, est de soi dynamique, ouvert, sans qu'on puisse lui assigner une fin définitive. La volonté de dire adéquatement la vérité de ce qui est peut conduire à des conclusions désastreuses, autant que naïves. Le désir de la vérité est par contre sans fin, sa quête prudente et jamais close. Sauf quand on prétend avoir la vérité. Nous disons en ce sens que le désir anime toutes nos facultés, intelligence comme volonté, qu'elle les empêche de s'arrêter trop tôt. Thomas d'Aquin disait d'ailleurs, en reprenant une phrase d'Aristote, qu'en principe, la raison adapte les choses à nos possibilités formelles, tandis que la volonté va aux choses mêmes. La volonté ou le désir ? La volonté, s'il n'est pas dynamisé par le désir, peut être aussi narcissique que la raison qu'il est naturellement. Venons-en maintenant à l'humanisme d'aujourd'hui. Nous sommes dans une situation inédite, jamais rencontrée durant l'histoire de notre humanité. Jamais l'homme n'a su qu'il avait à sa disposition la capacité de se supprimer lui-même, de se détruire en masse et totalement. Jamais il n'a pensé que son histoire finirait, tandis que la Terre continuerait à tourner autour du Soleil imperturbablement, comme si sa disparition n'avait aucune importance, si bien après la disparition de l'homme, avant de disparaître lui-même inexorablement, nécessairement, d'une certitude mathématique. Jamais l'homme n'a été aussi conscient de sa fragilité, de la menace qu'il est pour lui-même, y compris du point de vue de la biologie. Il y a à peine un demi-siècle, et les photos prises depuis la Lune, nous avons vu que la Terre est toute ronde et qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, sauf en songe ou en imaginant quelques milliardaires qui y réussiront en payant un prix insensé pour consommer, sans aucun sens de leur responsabilité, mais à leur seul profit fictif, l'énergie qui serait par contre nécessaire pour soulever de la misère quelques millions d'êtres humains et leur garantir de quoi continuer à vivre. On parle beaucoup aujourd'hui de post-humanisme et de transhumanisme. Le terme post-humanisme signifie que l'homme est sur le point de terminer sa carrière et qu'il sera remplacé bientôt par quelque chose qui sera plus puissant, des machines automatiques qui n'auront pas les enduits de décrépitude des cerveaux humains et surtout pas de famille à faire croître et à soigner. Dans son manifeste du post-humain, comprendre comment le monde change et comment changer le monde, Robert Pepperrell propose quelques thèses essentielles du post-humanisme. Il est aujourd'hui évident que les hommes ne sont plus la chose la plus importante de l'univers. Ça, c'est vrai. Le progrès technologique entier de la société humaine est orienté vers la transformation des races humaines comme nous les connaissons maintenant. Le terme transhumanisme semble moins brutal. Il ne vise pas un nouveau genre d'étang qui remplacerait les humains, mais un changement progressif et immanent à l'humanité, qui cependant portera progressivement au post-humain. Pour le moment, des humains continueront à vivre avec un statut nouveau parce qu'ils seront augmentés, de la manière que la réalité sera aussi pour eux augmentée. Par réalité augmentée, on indique une technique qui superpose à la réalité sa représentation numérique actualisée en temps réel, en mathématiques. Une réalité qui n'a plus aucun passé et qui n'a d'autre futur que le calcul des machines. Notons et commentons les mots « représentation » et « réel » livrés dans cette définition du transhumain.
Il est probable que ces mots n'ont eux-mêmes aucun sens important, sinon en tombant sous les critiques que la phénoménologie et le bon sens leur adressent. La question de la représentation pourrait être envisagée à partir des analyses de l'imagination et de l'imaginaire de Sartre. Notre capacité à imaginer est au service de notre inventivité, de notre liberté aussi, car elle nous donne de ne pas nous enfermer dans des situations apparemment sans issue, de faire varier leurs représentations de sorte que des voies puissent apparaître qui nous permettent de nous réorienter. Sartre savait bien déjà l'importance du théâtre pour l'éthique, car nous y voyons des situations humaines fictives, mais qui pourraient bien être de l'un d'entre nous, de moi. Le fictif alors devient alors ce que nous pourrions appeler du virtuel grâce à sa fonction curative, libératrice, une vertu. La signification du réel est plus problématique parce que ce réel augmenté n'a rien à voir avec les extases temporelles étudiées par Augustin ou par Husserl ou Ricoeur. L'expression « réel augmenté » signifie une présence intemporelle, sans autre médiation qu'une construction technique qui correspond à nos désirs les plus fondamentaux, la joie, le sexe, la vie, et que nous obtenons au moyen d'instruments qui prennent place en nous, là où nous nous savons faibles naturellement. Le réel augmenté qui ne regarde ni vers le passé ni vers le présent, mais qui se précipite vers le futur, purement fictif, c'est-à-dire hors de toute réalité effective, mais aussi virtuelle, c'est-à-dire une anticipation aujourd'hui d'une possibilité qui sera réalisée demain. Il est fictif s'il nous détourne de nos réalités quotidiennes en les laissant telles qu'elles sont. Il est virtuel s'il permet d'en modifier le cours. Le post-humain fictif. Pour le cinéma, la télévision. On peut penser que l'importance accordée au transhumain dans les médias vient de son aspect fictif et divertissant. Mais il y a aussi un aspect virtuel qui est à interroger, car il engage l'avenir sans le tenir fictivement, loin du présent, mais en le faisant naître sous nos yeux, à partir du savoir de nos possibilités techniques. Pensons aux recherches sur le cerveau et la découverte de possibilités d'y implanter des électrodes capables de mouvoir des membres du corps, des jambes par exemple, alors que la liaison nerveuse naturelle entre ce membre et le cerveau a été interrompue par quelques malheurs. Ces travaux au service du bien des individus souffrants peuvent toutefois exacerber les rêves d'une croissance indéfinie de la puissance de la science grâce à cette technique sans qu'aucune éthique ne puisse venir les orienter ou leur imposer des limites. Ce qui est ici en jeu est moins la technique que le sens de la technique ou du service qu'elle apporte en tant qu'instrument pour la liberté. Une question importante surgit dès lors, que le post-humain techniquement mis au point substituera le transhumain ou l'humain augmenté et remplacera la présence humaine par un système de machines. Cette question importante est celle de la responsabilité humaine. Sartre en avait pourtant parlé. Ne pouvons-nous pas penser que le succès du thème post-humain dans les médias vient du désir de ne plus être responsable personnellement, dans un désir angoissant de toute manière, dans le moment du transhumain, pour le moment, le transhumain n'est qu'augmentation de possibilités offertes à l'homme, limitées par la recherche scientifique, mais il pourra se transformer en post-humain, en mort de l'homme tel que nous tentons de le connaître et en naissance d'un empire de machines post-humaines. Par ailleurs, qui aujourd'hui aura le courage de prendre la responsabilité de tous ces actes? Sommes-nous libres? Pourrions-nous être libérés d'être libres? La modernité est caractérisée par l'expression « more geometrico » qu'utilisa Descartes et qui fut mise à profit par Spinoza. Cette expression signifiait pour ces auteurs un schéma idéal pour un enchaînement d'argumentations scientifiques sous des hypothèses de base. La science moderne est en effet hypothético-déductive. Les hypothèses scientifiques sont aujourd'hui, dit-on, construites à l'aide d'observations empiriques et non plus de définitions ou d'axiomes comme ce l'était au XVIIe siècle.
mais ces observations empiriques des sciences contemporaines sont établies à partir des jeux de sens qu'offrent les langages représentatifs du monde, des interstices qui y sont éventuellement reconnus dans les laboratoires et qui ouvrent des domaines pour des recherches novatrices. La recherche empirique dépend en droite ligne des axiomes acritiques et intensément désirés de nos représentations du monde. Il est impossible de faire aujourd'hui des observations respectables en science sans disposer au préalable d'un jeu de langage capable de donner un sens aux pratiques des laboratoires. L'empirique pur n'est plus la norme de la science, ni au temps moderne, ni aujourd'hui. Dire que l'empirique est la norme est fictif, pas virtuel, pas du tout virtuel. Le jeu de langage préalable à toute science moderne est d'ordre strictement mathématique, comme on le sait depuis longtemps, tout particulièrement en astronomie. Les mathématiques ne donnent-elles pas par ailleurs plus d'espace à l'imaginaire ? Se met ainsi en place une alliance entre la formalité a priori des mathématiques et le sens d'un réel performé. La mathématisation, le mathématisable, est le critère du réel. L'empirique donné dans l'immédiat n'est plus la norme du savoir et de sa vérité, mais il peut donner lieu à du fictif ou à du virtuel selon la manière de l'aborder. Fictif en dehors de la pratique scientifique, virtuel au cœur de cette pratique. La mathématisation du sensible signifie les capacités d'y projeter des activités productrices de transformation. La question de l'actualité du sens pourrait cependant disparaître ainsi en le renvoyant dans un futur indéterminé et imprévisible, tenu dans les raies de la compétence mathématique. Conclusion, je conclus. Que peut dire la philosophie de cette situation ? Il n'aura pas le philosophe de cette situation. Il n'aura pas beaucoup de crédibilité. L'entreprise scientifique éblouit. Ses résultats sont étonnants. Jamais l'homme n'a jamais imaginé ce qu'elle réussit à produire, non seulement des souris qui portent sur le dos des oreilles humaines, un produit de science farfelu, mais des appareils qui lisent les ordres cérébraux et les transmettent au corps ou ailleurs. La science de la réalité augmentée est au service de l'homme, pourquoi donc s'en inquiéter ? La réponse à cette question apparemment saugrenue pour notre culture débordante d'ingéniosité et ébloui par des soleils qui ne se sont pas encore levés, mais qui viendront certainement, ne sera pas originale. Elle a été donnée depuis la modernité. La modernité a poussé les sciences dans un tournant, vers des observations préparées dans un cadre linguistique fondé en mathématiques, et non plus à partir des catégories de la logique antique, celle de la substance et des accidents. Elle a réduit ainsi à deux les trois types de savoir distingués par Aristote. Elle a uni la poiesis, ou la fabrication d'un objet extérieur à son producteur, et la praxis, ou l'action qui honore celui qui agit correctement. Hannah Arendt a tenté de remettre en valeur la distinction aristotélicienne en appelant travail ou œuvre ce qui se range du côté de la poiesis, et action ce qui va du côté de la praxis. La poiesis se laisse mesurer par les conditions des réalités objectives, et la praxis par celle de la subjectivité. L'ingéniosité contemporaine consiste cependant à mener ce qui est sous des outils qui correspondent aux capacités du savant. On ne dira pas que la praxis a pris possession de la poiesis, mais qu'au contraire, la poiesis s'est emparée de la praxis et en détermine la finalité. La réflexion sur le désir et les passions, sur l'être humain en situation réelle, est ici décisive. La science ne vaut que pour qui y a intérêt. Mais l'intérêt d'un incompétent informé par nos moyens de communication sociale aura-t-il le même poids que l'intérêt du savant compétent en train d'éprouver et d'analyser des hypothèses dans son laboratoire ? Le bruit fait autour du post-humanisme, grâce aux résultats du transhumanisme, accessible sans peine par nos médias, ne doit-il pas être interprété par l'angoisse, mais aussi l'immense désir que crée la possibilité d'être des choses entièrement déterminées par une causalité neurologique, sans que nous n'ayons plus la nécessité de nous décider et de prendre la responsabilité de nos actes ? Cette question, après tout, n'est-elle pas humaine, simplement et de toujours ? Avons-nous vraiment donné une solution à la troisième antinomie kantienne ?
Avons-nous renoncé définitivement à devenir des machines? Muito obrigado. No sin unas angustias. Eu gostaria de agradecer ao professor Paul Gilbert por compartilhar conosco as suas angústias, né? Por nos trazer inquietações nessa palestra, nessa conferência tão profunda, tão rica. Ao propor esse diálogo com Sartre, Heidegger, Russell, o senhor nos ajuda a pensar a situação atual e nos inquieta com questões a respeito sobre a possibilidade do desejo humano de querer ser coisa, sobre o desejo humano de não querer mais ser responsável pessoalmente, e nos coloca o problema, então, do exercício da liberdade. Então, eu agradeço muito, professor, por essa conferência, e por causa do horário, então, nós teremos aqui meia hora para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma consideração, por favor, anote no papelzinho, e aí a gente faz as perguntas para o professor. Então, nós temos aqui duas perguntas. A primeira é: que caminhos para enfrentar essa possibilidade de transformar a praxis em poiesis? É uma característica da cultura de hoje, me parece, que é a dificuldade de la gratuité. Un artiste, la poésie, peut fabriquer des autobus, des poltrones, peut fabriquer beaucoup de choses, et puis peut fabriquer des choses qui ne servent à rien. Un objet bello, un objet bello. Je ne sais pas si. Ci sono artisti che fanno, che fanno ancora delle cose belle. Io penso per esempio all'ultima mostra di Venezia, il leitmotiv era che l'artista rappresenta il sentimento profondo del mondo contemporaneo. Vocês compreendem o italiano, compreende? É? Quer dizer, a primeira coisa que, que ele falou é que hoje temos dificuldade com a questão da gratuidade e que a poesia pode fazer coisas que são úteis, mas do ponto de vista artístico, o artista faz coisas belas. Então, íamos falar da mostra da Venecia. La praxis, praxis, segundo Aristotele, appartiene alla crescita personale, diciamo così, della spiritualità, della competenza, anche la matematica può essere un amico che matematico, lui si gode la vita facendo dei calcoli che non servono a niente, e questo diviene molto raro, eh? Molto raro. La praxis ha una l'etica oggi, l'etica che è il luogo stesso della praxis, l'etica non ha buona fama nel mondo tecnico, perché le cose devono servire a qualche cosa. E a servire qualche cosa che viene determinato, questa era un po' una linea continua nel mio testo, che permette all'uomo di sognare secondo i grandi desideri del nostro essere umano, i grandi desideri che sono la ricchezza, il successo, il sesso ovviamente,
encaisser. Avete pensato, per esempio, al selfie. C'è un autore italiano che ha scritto 10 anni fa un articolo dove sei ontologia del telefonino. Dove sei, cioè sai dove io sono. È autoreferenziale, diviene autoreferenziale. Quindi è una difficoltà globale della vita contemporanea. Va bene? Daquilo que me lembro é que falou que a praxis pertence mais ao mundo da interioridade, da espiritualidade, e que uma linha que perpassa o seu texto é dizer que a ética não tem boa fama na técnica, né? Não tem boa fama, porque para a técnica as coisas servem para alguma coisa. Não se faz alguma coisa assim, sem utilidade. Ou seja, que toda mentalidade tecnocrática é instrumental. Isso tem que servir para alguma coisa, né? Sim, mas a questão do selfie que você estava falando, ou seja, qual que era a ontologia do celular, é isso? La necessità di apparire, apparire e essere visto soprattutto, tanto che apparire se non c'è nessuno che mi guarda, scusate, mi sono molto timido, mi nascondo. A outra questão: o que seria o transumano diante dos imigrantes? Sì, la distinzione che ho proposto, tra fittizio e virtuale. Propuse una distinzione tra fittizio e virtuale. Sì, virtuale che ha qualcosa da vedere con la virtù. O virtuale tem a ver con la virtù. È chiaro che nel fenomeno della migrazione, che è un fenomeno umano da sempre, questo significa che una cultura non si chiude, non può chiudersi su se stessa, come diceva anche il nostro Papa Bergoglio, no? I contatti tra le culture, idealmente, ma comunque anche nella storia, i contatti con le culture permette alle culture di sollevarsi da un passato troppo pesante, di rinnovarsi, un rinnovamento interiore di una cultura mediante gli apporti dell'esterno. Questo è un transumano, sì, è un transumano a livello culturale, a livello massimo, però che non è un transumano che ti porta verso un post-umano. Ciò che è caratteristico del postumano, secondo me, è il meccanico, l'automatico, l'irresponsabilità. L'irresponsabilità. Non c'è nessuno che deve rispondere ai propri atti. Nel mio testo, quando ho scritto, nel postumano le macchine non hanno da preoccuparsi di far crescere i bimbi. Mi sono detto... È enorme dire queste cose, enorme, è talmente banale, no? Talmente banale. Qui si vede la differenza tra transumano e postumano. Il contatto tra le culture appartiene a una dinamica di transculturalità. Ma io non penso che il transumanismo porta necessariamente al postumanismo, come potrebbe non affondarsi nel postumanismo, lì è la questione dell'etica,
que obviamente é uma questão que se pone à la técnica, como sempre. Então, a questão do transhumano é vista mais como uma questão positiva, porque é um fenômeno das sociedades, e quer dizer, a sociedade que se fecha não tem possibilidade de se renovar. Então, esse transhumano, pelo fenômeno da migração, é uma oportunidade para essa sociedade que se abre. A questão do pós-humano, ele está referido mais como a uma responsabilidade. Ou seja, o ser humano não assume uma responsabilidade diante dos fenômenos. Mas não entendi a última parte que tu falava sobre a máquina. La máquina. La que? A máquina não pode criar uma criança. Ah, a máquina não pode criar. Ah, yeah. Sim. Sì, preparando il mio testo sono stato molto impressionato da Sartre, dalla sua visione sulla libertà, che ha la sua ambiguità ovviamente, la sua insistenza sulla responsabilità e soprattutto un punto quasi come dove Sartre mostra la sua incoerenza e cerca di riconciliare due poli che non può non porre in un'opposizione, che è una libertà che è determinata dai suoi progetti, che è responsabile nei suoi progetti, però per realizzare questi progetti ha deve situarsi in una società. Quindi non è una libertà autonoma totalmente, è autonoma aiutandosi da tutte le altre persone che sono autonome. Forse lì ci sono tante cose che io non conosco di Sartre, ci sono altre cose per esempio di ordine politico. Che sarebbe la politica? Abbiamo tutti i nostri problemi. Io vengo da un problema piccolo Belgio dove abbiamo 7 governi, quindi siete molto tranquilli, voi ne avete uno, va molto bene. E cos'è la politica se non gestire la vita comune, ma fare in tal modo che la vita comune sia possibile? Ecco. E questo è il lavoro della filosofia, sì. La meccanica non guarda nessuno in faccia, come si dice. Le relazioni umane sono delle relazioni di facce che si guardano in faccia. Dunque, desde l'inizio stavo impressionato por Sartre, né? E sobre essa insistência de que a liberdade ela é situada. Existem os projetos humanos, mas esses projetos humanos, eles estão situados e para realizar-se tem que existir as relações com os outros, né? Isso é a ideia. Assim, depois tem outra coisa, você quer complementar, Cláudia? A ideia da máquina que não me coloca diante de um outro, né? Que não me coloca diante de um rosto do outro também. A liberdade é situada e supõe essa relação de uma responsabilidade situada. E a máquina, ao contrário, não. L'uso delle macchine, macchine maestre dell'uomo, l'uomo maestro della macchina. Depois una ultima. Mi viene anche questa angoscia. Siamo veramente desiderosi di essere liberi, di prendere la responsabilità delle cose. Le cose vanno male a causa dell'altro, sempre a causa dell'altro. Abbiamo delle cose che non siamo noi. Questo è il principio della macchina. La tentazione è enorme, enorme. Então, a questão da máquina, a máquina è mestra do ser umano, o ser umano manda sobre a máquina. Essa é a relação e a pergunta.
e também a inquietação sobre a dificuldade de assumir a responsabilidade diante das coisas, né? Então, quando a coisa não vai bem, a gente normalmente atribui isso a um outro, né? Não atribui a si mesmo. A próxima questão tem a ver um pouco com já o que o senhor disse, mas é sobre qual a relação entre pós-humano, se a existência humana é marcada pela liberdade, pelas escolhas, como fica a abertura do ser humano à liberdade no mundo do laboratório. Então, se há a possibilidade de pensar a abertura da liberdade, se há a possibilidade de pensar a liberdade no mundo do laboratório, acho que no mundo da técnica, né? Que é a pergunta que eu quis dizer. No fundo, eu acho que o senhor já falou sobre isso. A um certo momento do meu texto, dicevo che tutte le cose, ciascuno di noi, e le cose, siamo una intersezione di molti sistemi linguistici, affettivi, economici, eccetera. Ciò che fa una persona umana è di poter vivere ciascuno di questi sistemi, mi pare senza che uno si impossessa degli altri. Pensiamo a un ingegnere che esce dal suo laboratorio, torna con la famiglia e gestisce la sua famiglia come una macchina. Questo non va bene. Ma immaginiamo lo stesso ingegnere che gestisce il suo laboratorio come una famiglia, non va bene neanche. Quindi la difficoltà di essere uomo, soprattutto per noi che siamo in culture molto più complicate che quelle dei tempi antichi, a livello del mondo dei latini le cose erano secondo me molto più semplici di adesso. Adesso siamo torturati tra mille sistemi che ci permettono di vivere, ma come vivere questa molteplicità nell'armonia interiore? Io sono molto contento di essere stato professore di filosofia, perché la filosofia è una tendenza a una preoccupazione per la saggezza. La saggezza che sarebbe? La capacità di vivere molte cose. Ho scritto un libro, come diceva Claudia, La semplicità del principio, che tutti gli studenti dicevano, ma come consiglio questa cosa? Il libro più complicato che ho mai visto, La semplicità del principio. Allora io cercavo di spiegare queste cose, i professori normalmente sono mai intesi dai studenti, salvo da Claudia. Grazie. Ecco, quando si dice una persona semplice, cos'è una persona semplice? Una persona semplice, il termine ovviamente è ambiguo, però significa anche una persona semplice è una persona che è interamente dato in tutte le cose diverse che fa. Straordinario, Straordinario. Una persona che è sempre data a tutte le persone che incontra. Come se la precedente e la seguente tutto a te. Ecco, se la filosofia riesce a fare queste cose, se la filosofia, questo è il compito della filosofia oggi, aiutare a non conoscere le cose in maniera apodittica, ma anche se ci sono le condizioni per poter vivere questa semplicità, ma il compito della filosofia non sarebbe questo? Essere filosofia. Ovviamente la filosofia è divenuta molto razionalista, dare ragione, trovare la cosa prima, si cerca ancora, la cosa prima, poi. Então, na nossa vida quotidiana, a gente está vivendo a partir de várias interações diferentes. Então, o engenheiro que trabalha no laboratório, ele tem um tipo de relação dentro do laboratório, e o problema é quando ele reproduz esse tipo de relação no interior da casa, né? E aí trata as pessoas e estabelece relações como se fossem relações entre coisas.
E da mesma forma, a relação que o engenheiro tem no interior da casa não deveria ser a mesma relação que ele tem no interior do laboratório na medida em que ele faz um experimento. Então são coisas diferentes, a vida é complexa e esses sistemas eles estão em interrelação. E o importante, ele falou que o bom dele ter se dedicado à filosofia por muito tempo é que ele pôde se colocar o problema a respeito da sabedoria. O que é a sabedoria? E a sabedoria, e aí ele lembra do livro dele sobre a simplicidade do princípio e diz que o que é a simplicidade? O que é a vida simples? A simplicidade implica no viver de modo uno e total, toda a experiência, estar totalmente presente em toda a experiência que é nossa. Né? Então, estar totalmente presente em tudo que a gente faz. Isso seria uma vida simples. Vou ler em português primeiro. O senhor pode falar sobre os cadernos negros de Heidegger e em que medida eles estão relacionados com o tema da sua palestra? Est-ce que vous pouvez parler de Cahiers Noirs de Heidegger? Je pourrais parler. Je pourrais parler de l'expérience de Platon et du tyran de Syracuse. Sì. Sono testi che stanno lì, è chiaro. Io penso che Heidegger non era semplice in tutti i sensi della parola, però era torturato da questa non semplicità, secondo me. Nessuno di voi ha mai avuto il momento di rabbia dove saltano i nervi e anche l'intelligenza? Non ho letto, devo dire che non ho letto queste cose. È chiaro che queste cose mi fanno pensare ai temi heideggeriani, quando Heidegger dice la filosofia tedesca o greca, o no, se no non c'è, eccetera, delle cose, le sue tesi su la terra, Heimat, eccetera, delle cose del genere. Sono le cose che sono nei testi, questo è chiaro, sì. Però io non farei una filosofia con questi quaderni neri, non farei una filosofia. La filosofia di Heidegger si trova in un altro luogo. Che lui non sia coerente nella vita, come dicevo, la grande difficoltà è per noi, uomini di cultura, è di cercare la coerenza tra la vita e le nostre categorie. Heidegger non ci è arrivato. Secondo me era un uomo che aveva molto paura. Anche il suo discorso, notate il suo discorso del 33, discorso a favore del regime che aveva portato a essere rettore dell'università per 6 mesi, perché a turno si fa così, una meccanica. E poi in questo testo avete un piano dell'insegnamento universitario che è sempre di riferimento universale adesso, come si strutturano le facoltà, eccetera. Anche lui aveva ragione dicendo che la prima facoltà di tutte è la filosofia, perché la filosofia pensa il tutto, punto. Ma si potrebbe discutere molto su queste cose, ma è meglio leggere dei testi come tesi di Heidegger, Cos'è la filosofia, un testo 56, Introduzione alla metafisica, eccetera, Sein, essere il tempo. Leggete i grandi testi, non le cose che non danno da pensare. Heidegger non era simples, non era simples, e ele era também atormentado por essa complexidade que ele era mesmo, né? Esses textos estão aí, ele não faria uma filosofia sobre esses textos, mas revelam eles que que a coerência que todo ser humano procura viver e alcançar, Heidegger não chegou a essa coerência. Então, uma última questão, professor, para a gente concluir. A técnica
é um dos temas principais da filosofia de Heidegger. Sendo a essência do humanismo metafísica, o pensar é posto de lado e a técnica é valorizada. Como é pensado o ser nesse caso? Quando a técnica é valorizada e o ser colocado de lado. La technique c'est un thème central en Heidegger. Et le sens de l'humanisme est la métaphysique. Comment penser, comment on peut mettre à côté la technique et la valorisation, comment on pense au cerf dans cette situation. Soit Heidegger sur la Heidegger la technique, i due testi fondamentali sono quelli del 38 che ho citato, l'epoca delle concezioni del mondo, dove mostra una grande inquietudine di fronte alla tecnica, perché la tecnica, anche la tecnica di produrre dei libri, è tecnica che ha bisogno di soldi, e i soldi dove si trovano? Si trovano presso i grandi industriali, e industriali danno dei soldi se questo è utile a loro, se gli industriali non è che hanno una cultura della gratuità. Perciò, esplicitamente diceva così nel testo del 38, in generale anche le idee pubblicate sono delle idee pubblicate che convengono ai benefattori. Chi dirà che la cosa non è più adesso così, ma questo è un altro problema. Quindi era la tecnica si è impossessato della razionalità, dell'espressione della razionalità, e nel testo del 38 Heidegger manifesta una grande inquietudine sotto questo punto di vista. Quindi ha una visione abbastanza negativa della tecnica, la tecnica è ricchezza e la ricchezza serve a chi ce l'ha. E non tutti ce l'hanno. Un po' il riassunto, ma sì. Invece nel testo del 51 sulla tecnica, l'essenza della tecnica, la Gestalt, lì manifesta che la Gestalt è un po' il successo della razionalità umana che è capace appunto di mettere ordine nel mondo, eccetera. Quindi c'è una evoluzione di Kant sotto questo punto, di Heidegger sotto questo punto di vista. Io avrei un'altra cosa da proporre nel mondo contemporaneo. Vedete, si dice che almeno nei mondi filosofici, che la tecnica contemporanea viene dalla filosofia, eccetera, che non si può capire ciò che è la tecnica contemporanea senza capire ciò che era la filosofia del Medioevo, dei Greci. E io mi domando, ma guardate un po', avete tutti il telefonino, insomma, Huawei, non so, fabbricato comunque più o meno in Cina, la Cina che è divenuto una potenza economica straordinaria, merito della sua tecnologia, che esercita con un successo straordinario senza avere la cultura che sarebbe all'origine la tecnica. Questo mi fa dire che la tecnica è saltata fuori della prospettiva culturale, se c'è, della prospettiva culturale occidentale. Per me questo è anche un'altra angoscia. Come pensare questo? Come pensare che il cinese ti fa le cose tecniche con un grande successo e ogni tanto, malgrado tutto ciò che dicono le cattive voci, di buona qualità? Come si fa? Non ha conosciuto la differenza accidente e essenza, accidente e allora sostanza. Ecco, vedete un po' sono dei scarti che si manifestano nella storia dell'umanità, che sono scarti che manifestano anche, che pongono
delle domande essenziali sulla cultura nostra, che sono da pensare. Houve uma mudança no posicionamento de Heidegger com relação à técnica. Antes, Heidegger pensava a técnica a partir da perspectiva da vinculada à questão do dinheiro e da indústria, e quem tem dinheiro, então, é quem comandava os critérios definidores da técnica. E depois, então, Heidegger muda de posição, tem uma progressão nessa perspectiva de Heidegger com relação à técnica. E depois ele se pergunta um pouco pelo fenômeno chinês, que tem um grande sucesso tecnológico, mas que essa técnica não está dentro dessa perspectiva cultural ocidental. Então, mesmo sem caindo fora, os chineses têm uma pergunta. Se vê a identidade, se vê a poiesis que se manja da praxis. A poiesis se comeu a praxis. La produzione mangia tutti gli operai. La produção come os operários. Então, eu agradeço o professor Paul Joubert. Eu estou vivendo aqui um pouco a experiência da minha defesa. Essa Babel de línguas, mas na qual a gente consegue se entender. Então, até amanhã, boa noite a todos e muito obrigada pela presença.